Et salut à tous, bienvenue pour la suite de ce TAS sur Seiken 3. Donc on reprend là où on en était la semaine dernière, si vous vous souvenez bien. Alors, j'aimerais juste être sûr qu'il n'y ait pas d'autres pubs qui se lancent derrière, mais c'est possible que oui. Donc Seiken SSO 3, fin de vie de la Super NES, la suite de Secret of Mana, de la même manière qu'un FF, voilà, ça se suit pas, hein, c'est juste que c'est... Voilà, c'est encore pire parce que les univers sont similaires, il y a les mêmes éléments, par exemple, blablabla, blablabla, blablabla. Regardez l'émission de la semaine dernière, au pire, hein, voilà. Donc, Seiken 3, suite et fin. La semaine dernière, on s'était arrêté à... quand on avait récupéré l'esprit du feu. C'était la séquence où on était sur Bush Kabu, la tortue Rasta, et qu'on se baladait d'élément en élément. Nous, on a quatre éléments à aller récupérer, qui sont le feu, l'eau, la lune et l'arbre, Dryade. Sauf qu'en fait, même si on a l'impression de pouvoir y aller quand on veut, on a quand même un ordre à respecter. C'est feu ou eau en premier, c'est l'un ou l'autre, ça va encore. Donc là, on a récupéré feu. Là, on va du coup aller récupérer eau, après ce sera lune, et après ce sera Dryade, car c'est forcé. Et du coup, eh ben, on va tout de suite lancer ça. Comme d'hab, ben, dites-moi si le son, le volume, etc., c'est bon ou pas. Normalement, ça devrait être bon. J'ai vu que la capture de la semaine dernière déconnait un peu, j'avais pas le bas de l'écran, c'est très bizarre parce que moi j'étais sûr de l'avoir sur mon écran. Normalement il y a bien un espace entre le portrait de Kevin et le bas de l'écran. Normalement chez moi je l'ai, normalement vous devriez l'avoir aussi. Mais j'ai vu que sur le code de la semaine dernière, mais il n'y était pas, je sais pas pourquoi. Du coup on réinvoque Bush Kabu, notre bonne vieille torture Rasta. Quand on appuie sur A, quand on est dessus, elle arrête de faire son bruit de palme, elle fait une espèce de bruit, elle se passe... Ça sert à rien, mais c'est dans le jeu. Mais bon, on est très loin de la... Du sublime qui est le mouvement de queue de Flamie, on y viendra bien sûr, vous en faites pas. Du coup, on va vers Altena, le royaume d'Angela, enfin d'où vient Angela, la sorcière qu'on n'a pas prise dans le groupe, donc bon voilà. Comme dans Secret of Mana, on a une super musique pour le niveau enneigé. J'ai une préférence pour celle de Secret of Mana, mais celle-ci est cool quand même. Comme c'est la nuit, évidemment, Kevin, un loup-garou, il tape dessus. Sauf que là, on s'en fout des ennemis, on fonce. Non, parce qu'on a quand même récupéré de l'XP. On a quand même tué l'ennemi d'avant, ça a filé assez d'XP pour que Kevin passe le niveau. C'est beau. C'est toujours très beau. Donc je répète, hein, comme la semaine dernière, enfin c'est pour ceux qui ont appelé la semaine dernière, même si, comme dans Secret of Mana, on a 3 persos, on ne peut en contrôler que 2. C'est pour ça qu'en bas à gauche, on voit player 1, player 2. On ne peut pas contrôler le troisième perso nativement dans le jeu. Même si à la base c'était prévu, mais ça a été retiré visiblement à la dernière minute, ça devait provoquer des bugs. On appuie sur A pour faire une attaque, une fois qu'on a la barre en bas qui est chargée parce qu'on a fait 4 attaques, donc la barre est verte, on peut faire B pour faire une attaque et faire double dégâts. Ok Kevin, donc le voleur et le loup-garou tapent 2 fois par attaque, ce qui en fait les personnages physiquement le plus puissant du jeu. Lise la lancière derrière, ben, juste avec un peu de personnage de support plus qu'autre chose pour l'instant. C'est un perso très sympa également, hein, Lise. L'attention est sur un groupe. Ouais, sur un groupe vraiment très très efficace, hein, là. On n'a pas vu beaucoup des séquences comme ça de mémoire la semaine dernière, mais en gros voilà, on a des niveaux, enfin des écrans où les sorties sont bloquées, il faut tuer tous les adversaires pour les débloquer. Et parfois ce sont des cul-de-sac qui sont faits comme ça. Donc la semaine dernière c'était très conventionnel, on a juste avancé dans le jeu à toute vitesse, manipulation des boss pour qu'ils lancent pas de magie parce que ça bloque l'animation du jeu et qu'on peut plus rien faire. Donc vraiment pour accélérer le plus vite possible, mais là maintenant ça va devenir un peu plus craqué. On retrouve des ennemis classiques de mana et même de FF, je dirais les Saagin, une espèce d'homme poisson qui ressemble aux Zora de Zelda 3. Des mages noirs, bah oui, parce qu'il y avait bien des mages noirs dans premier Seiken, Mystic Quest. Comme encore une fois la moitié des sprites de Seiken Ensetsu, donc le Mystic Quest sur Game Boy, Final Fantasy Adventure aux USA. C'était plein de bombes de sprites d'FF 3. D'où le fait qu'on retrouve bah, les mages noirs avec même un petit symbole de lune sur la tête, ce qui indique que c'est le sprite, enfin une adaptation du sprite de l'amélioration du mage noir de Final Fantasy 3 qu'on a récupéré au quatrième cristal, si vous voulez vraiment être exact. Mais je divague un peu, je m'écarte un peu du sujet. Encore une fois, il y a parfois des ennemis, il faut juste les tuer, et il n'y a même pas le temps d'avoir l'animation, l'XP est gagné.
Mais parfois il faut attendre que l'XP soit bien apparu pour que l'XP soit comptabilisé dans le jeu. Simplement parce que ce jeu passe son temps à laguer. C'est une catastrophe. Souvent ça va nous être bénéfique, en l'occurrence dans le tas, ça peut nous être très très bénéfique que le jeu lag, puisque on va justement taper tellement vite, tellement de fois que les boss vont parfois même pas avoir le temps de faire d'animation, de magie, etc. Et nous-mêmes, en tant que, enfin même en dehors du tas, on peut s'en servir, puisque quand on lance une magie, qu'on ouvre un menu, un truc classique qu'on raconte sur ce jeu, on peut du coup écourter le temps de cast d'une magie, parce qu'en fait le temps de cast c'est juste le lag de la console qui calcule la magie. Et du coup, Boss, le Darkshine Knight, qui est le bras droit du méchant du scénario de Duran et Angela, le fameux Dark Vador de l'histoire, hein, comme je racontais la semaine dernière. Et on retrouve du coup trois golems, comme on a vu sur le pont au tout début du jeu. Donc on a récupéré toujours des éléments élémentaires, donc là c'est les griffes, c'est pour mettre un élément à l'attaque, donc on met attaque de foudre sur Kevin pour plus tard. On voit que le jour est levé malheureusement, donc Kevin a perdu son bonus d'attaque de loup-garou, mais c'est pas très grave. En tout cas ils se font atomiser, comme d'habitude. Même s'il n'y a plus le bonus de puissance. Tu prends ton plaisir à jouer à un jeu comme ça, j'aime bien le rétro mais je trouve pas de plaisir. Bah c'est bien triste pour toi. Hein. Je suis très attristé pour toi. C'est bien dommage. Du coup on trouve la pierre mana de l'eau. De la case de l'eau, c'est le même élément dans ce jeu, hein. Vous emmerdez pas. C'est la même chose pour une fois. On a que 4 éléments, pas 6, enfin, 4 des éléments principaux, pas 6 comme dans d'autres RPG. Et donc on rencontre Ondine. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir? Eh ben Ondine. Voilà. Donc l'élément de Hawk qui va quand même nous servir à cause de Hawk, des techniques de Hawk qui récupérera au ninja. Il est possible de changer le jour en nuit. Oui, avec une... Avec un item, comment est-ce qu'il s'appelle, la moon... C'est une espèce d'herbe qu'on peut récupérer assez facilement. Il en a farm justement quelques-unes dans les coffres. Ils sont vraiment des drops aléatoires. On peut directement. Par contre, c'est une animation qui est assez longue. C'est un peu le problème. Du coup, il va... Enfin, voilà, faut voir est-ce qu'on va gagner plus de temps en gagnant le bonus d'attaque que au temps de l'animation, pas forcément. Et du coup, on roule. Bah, toujours sur les adversaires. On a quand même un petit peu un gain d'XP. C'est assez marrant parce qu'il avait dit qu'il y avait des objectifs d'XP un peu au fur et à mesure de la route. Mais son vrai objectif, c'était niveau 27 avant un des derniers boss qu'on rencontre dans le jeu. Ce qui est assez étonnant parce que bon, on est normalement beaucoup plus haut niveau que ça dans une partie normale. L'inconvénient de ce début du jeu aussi, c'est qu'on n'a pas encore Flammy, du coup on doit se retaper la zone à l'envers pour retourner à la plage pour invoquer Bouche-Cabou. Un truc, c'est aussi d'aller dans la forêt de la lune. Effectivement, LL, ça met la nuit directement dès qu'on rentre dans la forêt, dans la Moonlight Forest. Il y a quelques trucs, l'inverse aussi, c'est quand on sort du Mana Holyland, il fait forcément jour. Toujours un peu chiant. Et donc c'est utilisé voilà, pour forcer le jeu à se passer en nuit, sans doute le plus rapide d'ailleurs, de descendre dans la forêt. Et bien Kevin se fait bouffer, on s'en fout, tant qu'on passe l'écran, ça passe. Manipulation d'IA pour mettre bien les ennemis ensemble, parce que oui, les ennemis, enfin, tous les coups font des slash, hein, on peut toucher plusieurs adversaires avec les attaques. Vous verrez parfois, à la place du niveau, à marquer AT, c'est quand il reste appuyé sur A, donc le bouton d'attaque, le personnage passe en automatique. Ça peut lui servir pour courir vers un adversaire, et surtout ça peut servir à réinitialiser l'attaque, et donc à faire qu'il va taper plus de fois par seconde. C'est partie des différents tricks pour optimiser les dégâts. Est-ce qu'il y aura des changements de classe? Oui, Lucina. Quand on sera au Mana Holyland, parce qu'il faut être niveau 18 pour le premier changement de classe. Par contre, le deuxième étant au niveau 38 et nécessitant un objet, on ne l'aura pas. Donc je peux déjà vous le dire, il y a un personnage qui changera pas de classe quand même. Parce qu'il n'y en a pas besoin.
Oui, on a deux persos Patator, dont un particulièrement Patator. Le troisième, c'est un peu plus pour la déco. Et pour un truc qu'on verra très 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 tard et qui est très rigolo. Parce que oui, encore une fois, si vous connaissez pas Seiken 3, on l'avait déjà expliqué la semaine dernière, mais quand on commence une partie, on a le choix entre 6 personnages. Ils sont par couple de 2 personnages, chacun amène à une fin en fait du jeu. Donc un dernier niveau, un groupe de méchants qui gagne, etc. Ce qui fait qu'il y a 3 derniers boss, 3 derniers donjons, 3 groupes de méchants. Et chaque personnage a 4 classes finales. Ça fait qu'il y a énormément de possibilités sur les groupes qu'on peut faire. Maintenant qu'on a récupéré les 6 éléments entre guillemets principaux, on va pouvoir aller récupérer Lune et Dryade. D'abord par la Lune. Et ça se passe en plein milieu dans le Moonlight Forest. Donc là on va être carrément chez les Beastmen. Si vous vous souvenez, c'est un peu ceux qui envahissent tout le monde. Même si le royaume de Navarre est pas mal aussi dans ce genre, les voleurs. De toute façon, les 3 groupes de méchants passent leur temps à envahir tout le monde, hein, que ce soit Altena qui envahit forcément. Voilà. Donc là on avait une espèce de statue en fait qui nous bloquait le passage parce qu'il fallait forcément qu'on ait récupéré les 6 autres éléments avant pour pouvoir y rentrer. Et comme on disait à l'instant, bah du coup comme on est arrivé dans ce village et dans la Moonlight Forest, et bah c'est la nuit. Et surtout c'est la nuit en permanence dans ce donjon. Enfin dans ce niveau, dans cette zone on va dire. Ce qui va nous être très bénéfique puisque du coup on a Kevin directement en loup-garou en permanence. Ce qui est plutôt bon. Level up qui va... Ah non, un coffre. La tente. Et on récupère aussi parfois ça, les pièces. Pareil, il y en a 8, une de chaque élément, ça c'était une de lune. Ce qui est un peu étonnant, parce que, enfin pas étonnant du tout, parce que justement on se tape que des ennemis de lune dans dans ce niveau. Et ça balance en général une magie, une attaque en général, de l'élément en question, sur l'adversaire directement. Et du coup c'est la stat principale d'intelligence qui va être utilisée pour définir les dégâts. L'avantage, c'est que ça coûte pas de magie, bien sûr. Mais les Jospins, comme je disais, on ne peut contrôler que les 2 personnages dans ce jeu. Le jeu ne permet pas d'avoir 3 personnages en même temps. Il y a un ROMAC qui existe qui permet ça, mais c'est assez étonnant justement que le jeu ne le permette pas en natif. En 3 persos. Du coup, c'est souvent Liz qui n'est pas contrôlée. Hein. Parce que... L'idée surtout c'est de manipuler les dégâts de Oak et de Kevin parce que c'est eux qui tapent le plus fort. Du coup c'est un peu une forêt labyrinthique pour arriver jusqu'ici. Là on trouve Lugar, donc le bras droit on va dire du roi des hommes bêtes, et le Death Jester qui est le sous-fifre du méchant de l'histoire de Carly et de Kevin. C'est le premier personnage qu'on prend qui définit quel scénario on va avoir, et là comme on a pris Oak, on va avoir du coup l'arc démon comme méchant, donc le scénario de Bigyeu et Jagan. Donc là on voit le Death Jester bah, qui est un super méchant parce qu'il vole des âmes, c'est un nécromancien. Et en plus il a fait le connard avec Kevin, donc bah, Kevin veut un peu lui casser la gueule. Sauf que le Death Jester il va pas se laisser faire comme ça bien sûr. C'est un peu un nécromancien donc bon voilà c'est voilà, pas forcément évident. Sauf qu'en fait on va même pas se battre contre lui. Parce qu'il y a Lugar qui débarque et il fait non vous allez vous battre contre moi plutôt. Alors ça paraît pas, surtout là, dans Stas, mais ça va être un combat assez galère. Alors on utilise une écaille de drac pour augmenter la force, c'est vraiment l'équivalent du sort de bœuf de Lisa pour augmenter la force. Et là c'est bourrage dans le coin, on coince dans le coin, on fait tomber par terre, etc. Parce que le problème de Lugar, c'est qu'il a à peu près des techniques similaires à celles de Kevin, donc des kicks, des machins comme ça, des charges, là on voit, il en prépare une, mais il va même pas avoir le temps de la faire. Et surtout, il a accès à un... alors, je sais plus si c'est Seiryu Skyfist ou si c'est Susaku... non, c'est Susaku Skyfist et Seiryu Deathfist, un truc comme celle-là ou l'autre. Et en gros, c'est une attaque qui touche tout le monde, qui coupe l'écran en 3, et qui a la malheureuse tendance à one-shot tous vos personnages. C'est pas très cool. Pourtant, ce Rot of Mana était bien jouable à 3. Si t'es arrivé plus tôt, tu aurais su, parce que je l'ai déjà dit, que c'était prévu à la base dans Seiken 3 de pouvoir jouer les 3 personnages principaux. En même temps, sauf que la fonctionnalité existe, enfin la fonctionnalité est là dans le jeu, mais elle a été désactivée. Il y a juste une bit de RAM qui est un morceau de RAM qui est mis à une valeur bien précise au démarrage de la console pour pas que ça l'autorise. Et a priori, c'était pour empêcher des bugs. On n'est pas sûr.
Donc là, ce qui vient de se passer, Kevin a demandé à l'esprit de Luna donc de sauver Lugar, sauf qu'en fait, la seule chose qu'elle a pu faire, c'est en faire un bambin. Et il est parti dans la forêt, parce que ouais, ben, les hommes bêtes, ils sont comme ça, hein, largués dans la forêt, dès qu'ils sont mômes. On arrive à la pierre de lune, oui, enfin, la pierre mana de la lune, voilà. Ce qui nous fait 7 éléments. Et seulement 6 pierres, hein, parce qu'encore une fois, la pierre de l'ombre, elle a disparu. On sait pas où elle est. Donc là, encore une fois, on doit se retaper le chemin à pied, puisque ben, on peut pas s'envoler encore avec le marteau de famille qu'on n'a pas. Marteau de famille qui va nous permettre de faire un truc très rigolo, vous allez voir. J'aime bien tous les mouvements lents comme ça dans les zones où justement ils s'amusent à faire soit des mouvements parfaits entre les deux, enfin des mouvements identiques entre les deux persos, soit des trucs rigolos, des petites danses. On s'occupe comme on peut en tasse. Bon, quand on connaît la route, ça va, c'est pas trop galère cette forêt, mais sinon on peut se retrouver vraiment à tourner en boucle, en boucle, en boucle, c'est un peu agaçant. Il n'y a pas que la tour justement de lune, il y a aussi. Le palais des hommes bêtes, mais on peut pas y rentrer. On pourrait y rentrer que si on avait Carly et Kevin, mais beaucoup plus tard. Comme personnage principal, j'entends. Cette tour d'ailleurs, qui est vraiment reprise dans Legend of Mana. Comment est-ce qu'elle s'appelle d'ailleurs? Je sais plus du tout. Mais qui est vraiment le même truc. Et quand on y va un jour, Dora, en nos futurs modes notamment, c'est là où on peut avoir les meilleurs drops du jeu. Parce que Luna, Aura dans Legend of Mana, il s'appelle, c'est l'élément des drops, en gros, de l'argent. Que de l'expo. Salut Chicroute, salut Capictures. Donc revoilà notre bush cabou. Heureusement, la suite c'est pas bien loin. Là, plutôt que mettre un truc qui s'ouvre dès qu'on a tous les éléments, on a un truc un peu plus rigolo. Ça a un peu changé. On a carrément une plante, on va nous proposer à choisir un élément. Il faut sortir Luna, qui fait « Qu'est-ce qu'elle fout là, cette plante ? Dégage !» Et on retrouve Carly, ce qui est totalement scénaristique, hein, bien sûr. Dis donc, je me demande si ça a un rapport avec son histoire personnelle, hein. Ouh là là. On rappelle, c'est la petite fille du prêtre de Wendell. Donc là, le principe, en fait, c'est que comme c'est la nuit, il n'y a aucun problème, mais il suffit de suivre, en fait, les endroits où les fleurs sont roses. Mais les fleurs ne sont roses que la nuit. Ça tombe bien, c'est la nuit, parce qu'on vient de la Moonlight Forest. Donc, il suffit de foncer. Bon, c'est toujours la même séquence ici, hein, donc c'est pas très dur quand on connaît. Après, je crois que c'est gauche, et puis c'est bon, ouais, voilà. Et voilà, et c'est marre. On est dans une ville, la ville des elfes, où il y a deux tombes. Les elfes qui nous parlent pas et qui nous fuient. Parce que oui, il y a deux elfes. On va acheter le vieux. Et alors, espèce de chef, ou je ne sais quoi, ou sage, je ne sais plus exactement ce que c'est. Donc il voit que la fée est là, etc. Il y a Carly qui débarque. Et mon dieu, gros spoiler sur l'histoire de Carly. En fait, on découvre que c'est la fille d'un humain et d'une elfe. Tintintin. C'est pour ça qu'il y avait deux tombes à l'entrée, justement. C'était les tombes de ses parents. Et sympa comme tout, comme personnage Carly. Charlotte, d'ailleurs, de son entre guillemets nom complet. Bien plus intéressante qu'Angela à jouer. Niveau comme c'est les deux seuls casters. Du coup, achat d'item, quand même. Encore une fois, les menus de ce jeu, c'est une catastrophe. La lenteur pour s'équiper, changer d'arme, changer de perso, et des plombes. Le pire, c'est pour revendre les objets après derrière. Si tu veux tout remettre dans un équipement, un inventaire, vous allez voir, c'est... Allez. Allez.
Ah, ça met du temps à changer de perso, hein. C'est assez étonnant d'ailleurs que ça ait autant de mal, parce que bon... C'est pas non plus un truc hors du commun, quoi, ce qu'elle demandait. Bon, et en gros, il nous a dit, voilà, faut aller trouver la statue dorée qui est au nord, et puis... Vous verrez qu'il y a des plantes qui sont pas... Je sais plus si c'est Unaud ou Wisp qu'il faut invoquer. On va bien voir. Je crois que c'est Luna. Et ça nous a donné en gros un chemin auquel on ne pouvait pas accéder avant, qui nous a amené à Dryad. Salut, Itz. Et bah c'est Luna aussi, voilà. Mais qui existe dans la chose, voilà. Il y a encore des plantes de ma forêt, qu'est-ce qu'elles foutent là? Merci bien. J'ai trop bien le tintintin. Tintintin. On se retape des pororines, des porobines, vous appelez comme vous voulez, l'espèce de raton laveur à capuche insupportable qui peuvent faire super mal en t'envoyant des fléchettes à la gueule. Des espèces d'abeilles, Valkyrie, elles font des buffs de stats sur un peu tout le monde, donc bon. Un peu agaçant, mais pas non plus. Pas non plus un souci. Mais de toute façon, là, comme on est en tasse, on risque de pas voir. Trop d'animations qui vont bloquer le jeu, heureusement. Voilà. Je vais faire un buff. Bah non, allez. Meurs. Alors ce boss, c'est assez amusant, parce que la description dans la... Enfin, dans le commentaire du TAS, justement, il a dit que c'était une horreur. C'est un boss très bizarre qui fait pop des ennemis, qui, même s'ils sont à 0 point de vie, ne dépop pas pendant plus de 10 secondes. Et pour passer la phase 2 où il est invincible, il faut qu'il n'y ait plus d'ennemis à l'écran. Du coup, c'est très étrange. Il a mis les 160 000 records pour passer ce boss, ce qui fait un peu beaucoup. Juste parce que c'était incompréhensible ce qui se passait. C'est le seul boss qui est comme ça. Et du coup, la seule façon qu'il a eu de passer la P2, comme on va le voir, alors que les ennemis sont déjà morts, c'est voilà, de le laisser faire une attaque, une magie. Et ça suffit en fait à charger... l'ennemi, voilà, pour qu'il se rende compte que l'ennemi est effectivement mort, et du coup il peut passer la P2. C'est quand même un peu étonnant, hein. Cette façon de... Cette attraction de boss, surtout, voilà, comme il disait, c'est vraiment le seul boss à faire ça, quoi. C'est très bizarre. Et bon, ce jeu est bourré de trucs bizarres, vous voyez, de niveau des calculs. Là, regardez, il y en a encore les chiffres qui restent à l'écran, les attaques. Vous êtes complètement paumé sur ce qu'il doit faire. Il vient de faire un sort de dryade qu'on peut avoir avec Oak en Wanderer, qui revoit la magie. Qui peut être vachement bien dans plein de situations d'ailleurs quand nous on l'a. Mais ici qui est complètement inutile. Et du coup... Il se fait quand même exploser, littéralement. Petite corolle pour la fin. Et du coup, on récupère Dryad, qui est techniquement le 9e élément qu'on récupère, hein, parce qu'encore une fois, on a eu deux fois Jean. Pas Jean, Salamando. Atana en français. Élément du feu. Donc c'est techniquement le 9e élément qu'on récupère. Du coup, maintenant qu'on a tous les éléments, on va pouvoir aller sur l'île de Mana, en plein milieu, pour ouvrir le portail pour aller au pays Mana. Et encore une fois, on doit se taper la route en sens inverse. On en profite pour tataner du mob, ça fait toujours de l'XP. Voilà. Pour le temps que les ennemis meurent vraiment, que le jeu se rende compte que les mobs soient morts. Mais voilà, vous le saurez en tasse, c'est ce boss-là qui est le plus dur à manipuler. Parce que... Si vous faites gaffe, à chaque fin là, plusieurs tournées sur l'écran, il l'a fait, c'est il touche le truc pour changer d'écran et après il repart en arrière comme s'il changeait d'avis. Mais comme il a touché quand même l'élément de loading zone suivante, le jeu charge bien évidemment la zone qu'il a touchée. C'est assez marrant ce mouvement où il repart en arrière à toute vitesse. Du coup, Kevin est niveau 18, ce qui est généralement un grand soupir de soulagement quand on arrive à ce niveau-là, puisqu'on peut changer de classe. Normalement, le niveau 18, sur une partie normale, on l'a après le premier élément qu'on récupère
Quand on a bouche câble, donc le feu, là où on a commencé nous le tasse aujourd'hui. Était niveau 13 à ce moment-là. Elle a quand même fait le cri de bouche-cabou avant d'arriver sur l'île. Du coup, cinématique, on contrôle plus les personnages, on a juste le dialogue à passer. C'est scénaristique, bien sûr. Elle a fait qui va ouvrir le portail, enfin qui va tenter plutôt. Voilà. Jean et Gnome, Atanor, enfin Salamendo et Ondine, Lumina et Ombre. Et enfin, Luna et Dryad. On a les 8, le compte est bon. Luna dans Legend of Mana, donc s'appelle Aura et qui a une tête un peu différente. Parce que. Dryad qui va galérer à ouvrir ce truc-là. Qui n'y arrive pas. Ils disent, allez, non mais fais un effort quoi, vas-y, tu peux le faire. Sauf que ben, c'est un peu galère. Il va réinsister. Et bien sûr, magie scénaristique. Commence à devenir plus petit et puis, pouf, ça grandit d'un coup. Ouais! C'est quand même bien fait. Joie, liesse, etc. Youpi! Sauf qu'en fait, pas du tout, comme il l'a fait. Non, en fait, il s'est ouvert tout seul. Parce que les pouvoirs des 8 pierres ont été lâchés par les méchants, et du coup, c'est un peu le bordel au niveau de la magie dans le monde. Et du coup, partant d'Altena, on a un airship. On a les mages d'Altena qui vont au pays mana. Oui, parce qu'ils peuvent voler, hein. Pourquoi s'embêter? Qui au passage vont nous faire coucou, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est Koren, le mage du Lotus Rouge, c'est le Darkshine Knight, c'est l'Empereur Dragon, en gros, derrière. Empereur Dragon qu'on retrouvera dans une série de quêtes dans Legend of Mana, d'ailleurs. Je vous conseille, d'ailleurs, cette série de quêtes, elle est géniale. Et voilà, qui nous balance des bombes à la gueule. Dire voilà, bon, vous êtes gentil, mais bon, nous on va aller choper le pouvoir de mana pendant qu'on vous balance des bombes hein, parce que vous pouvez pas voler. Un truc des Seiken, c'est du kadik. Alors, est-ce que les gens étaient morts ou vivants depuis le début? Hein? Bon, évidemment, les hommes bêtes font de même. Hein. Donc, scénario de Carly et Kevin avec le Death Jester, avec Heathen. Avec le Masked Monk et avec Dark Leech, qui est en gros Thanatos de Secret of Mana, c'est vraiment un équivalent. C'est le même nom de boss, hein, de toute façon, Dark Leech. Donc eux, pour voyager, bah, ils prennent des oiseaux dans des pièces à Tolkien. Invoquez-moi BSK. Et bien sûr, bah, Anavar sont pas en reste non plus. Vigu et Jagan font allez hop, c'est parti. Donc eux, c'est les méchants qu'on va suivre. Les scénarios de Hawk et de Liz. Et Bigu la sorcière, Jagan le vampire, et derrière, l'arc démon. Qui sera le dernier boss qu'on verra. Et qui est le plus dur des trois, indéniablement. Et surtout le plus intéressant. Le seul à avoir vraiment une P2. Et eux, ils ont un bateau volant aussi. J'aime beaucoup ce design, le bateau avec des ballons qu'ils tiennent. Ça rappelle un peu, dans les vieux Torgal, le PIK, justement, ils ont des trucs un peu similaires, des espèces de dirigeables, avec des gros ballons qui s'accrochent à des bateaux. Bon, évidemment, notre groupe, voilà, on va pas se laisser faire, hein, bien sûr. Il faut qu'on l'aille pâter la gueule, mais comment faire, parce que c'est tout en hauteur. Donc Liz parle du roi des créatures volantes. C'est la dernière fois qu'on va voir Bouche-Cabou. C'est triste. Et après on aura un meilleur moyen de locomotion.
Bon, ça d'abord tourne à Rolante, tout à l'est. En plus, faut faire le tour de la montagne pour pouvoir y aller, c'est un peu galère, mais au moins c'est la nuit. C'est marrant, c'est exactement là où j'en suis dans ma partie, avec le même groupe en plus. Sauf que moi j'ai fait évoluer mes personnages. Et c'était la dernière invocation de Bouche-Cabou. Adieu Bouche-Cabou. Rip Bouche-Cabou comme dirait l'autre. Bon, évidemment, les ennemis sont toujours niveau 8, donc c'est un peu ridicule. Tant que les ennemis mettent à mourir, ce jeu quoi. La non-optimisation d'un jeu, c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment parce que les. Sur Super NES, tu vas vraiment avoir la première gamme de jeux qui va avoir du mal. Prenez Super Bison Ghost par exemple, c'est une catastrophe. T'as deux ennemis à l'écran, le jeu il rame comme pas possible. Gradius 3, vous voyez comme quoi Capcom comme Konami ils ont fait de la merde dans le premier jeu. C'est une catastrophe, ça lag à mort dès qu'il y a trois sprites qui se déplacent à l'écran. Alors que là on est quand même. C'est quoi, c'est. 95 quand même, normalement, c'est Ken 3, donc on est quand même bien tard sur Super NES. Les derniers jeux, c'est 96-97, hein. Quoique Rockman and Bass, c'est 98 de mémoire, donc c'est vraiment tout fin. Vraiment, les derniers jeux vraiment sortis, c'est... Quand je dis Rockman and Bass, c'est Mega Man and Bass ou Rockman and Forte. Mais non, c'est... Normalement, les derniers jeux, on va dire, grosso modo, c'était 96, hein, pour la Super NES. C'est là que Square sortira Roadrunner Wii U, Bahamut Lagoon, par exemple, qui sortiront même pas chez nous. Bonsoir Anne, plaisir de te voir. Bon, du coup, pas de mystère, on a juste inventé, on parle à la Valkyrie qui fait ah, oui, bien sûr, vous voulez monter, pas de soucis. Et hop, elle invoque un trou dans la montagne. Bon. Donc là, évidemment, on stade des ennemis qui sont à un niveau normal par rapport à l'on est censé être. Donc c'est au niveau 25 alors qu'on est niveau 18. Alors souvent dans le jeu, les ennemis ont toujours 2 ou 3 niveaux de plus que vous, ça c'est normal si vous faites le jeu à peu près normalement. Bon là ils en ont 7, d'accord, mais bon, on est en tasse, hein, voilà. C'est pas tout à fait la même. Évidemment, toujours manipuler les ennemis pour les mettre ensemble, pour pouvoir les bourrer. Hein. Et faire du multi dessus. Les gains de niveau sur l'XP qu'on a eu à l'écran d'avant, j'adore. Les mobs, on voit le sprite toujours, mais ils sont comptabilisés comme morts par le jeu et donc on gagne quand même de l'XP. Encore une fois, ça dépend du mob. Voilà, cinématique, hein, on peut pas bouger, c'est pas nous qui bougeons les persos. Et on arrive à Flammy. Donc on lui demande innocemment, hé, hey, c'est toi le roi des trucs volants? Et c'est sa gueule, ah bah non, c'est pas le roi, c'est la reine, c'est une fille. Ah là, c'est mieux. Donc Flammy nous emmène sur son dos. Une première séquence qu'on va bouger. Alors regardez la magnificence du mouvement de la queue de Flammy, qui, quel que soit qu'on aille vers la droite, vers la gauche, qu'on interrompe le mouvement, continue constamment d'avoir le même mouvement rotatif de haut et de bas, quel que soit le mouvement que nous on fasse. C'est quand même merveilleux. Je sais pas le temps qu'ils ont mis à faire ce truc-là, mais c'est présent quand même dans le jeu. Je sais pas pourquoi ils s'embêtaient à faire ça, mais c'est là. Je trouve ça vraiment fascinant. C'est complètement fou. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait ce souci des détails au lieu de faire directement une animation droite gauche, etc. Non, il a fallu que la queue suive le mouvement selon notre mouvement à nous, facile. Bon, du coup, on arrive au pays mana. Flammy nous abandonne. On passe vite fait au-dessus, on voit l'arbre mana. Et ouais, surtout qu'il y a eu de la baston. Bah oui, il y a les trois armées qui sont arrivées en même temps et se sont bastonnées. Du coup, on a tout des. Enfin, on a des lapins en tout genre dans ce niveau, les trois versions les jaunes, les roses et les blancs. Bon, il y a une seule route en fait, hein. Faut passer voilà, soit par des lignes phares, des pierres, etc.
Quand on retournera beaucoup plus tard au pays Mana, la route aura changé d'ailleurs. Il y aura des pierres qui auront bougé, des nénuphars en moins, etc. Il faudra prendre une autre route. Dans ce niveau, tu es sans doute le plus farm pour monter du niveau 50 à 99. Tu m'étonnes. C'était ça le mode 3 joueurs. C'est ça. C'est, il fait s'animer la queue. C'est quand j'ai les lags du jeu, c'est ça. Du coup, pour changer de classe, on peut trouver normalement les pierres de mana, sauf que bientôt les pierres mana vont plus être là. Par contre, on peut le faire ici. La statue de la déesse. Et donc, bon, mais Hawk. Et vous allez voir, on va avoir le choix. Le premier choix, c'est toujours vers le bien, le deuxième choix, vers le mal. Et nous, on va aller vers le mal, en ninja. Pourquoi en ninja? Ben, déjà parce que... on va monter qu'une seule classe, donc oui, évidemment, tu prends ninja parce que ranger, c'est de la merde. Et ninja, surtout parce qu'on va récupérer les jutsu comme attaque, qui font des debuffs de stats, qui sont très 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 utiles. Que Liz peut avoir en allant, elle, vers le mal, par contre. Du coup, on change de perso, on prend Kevin. Rebelote. Alors je gueule sur l'évolution de Hawk, mais parce que vers le bien il est nul en ranger, mais si vous montez en 10ème classe au Wanderer il est génial. Bon et pareil, on fallait Kevin vers le mal, faut voir que aller vers le bien ou vers le mal, ou les techniques qu'on va apprendre avec les niveaux, ça change aussi les stats maximales qu'on peut avoir. Et généralement aller vers le mal va faire qu'on va avoir plus de force. Donc c'est logique qu'on aille vers le mal par défaut. Et c'est tout, merci Liz, c'était sympa d'être venu avec nous, t'es niveau 18 mais on s'en fout. Voilà, c'est pas très très sympa quand même. Ce jeu existe en français. Oui, il y a une fan-trad française qui existe. Je la déconseille, je conseille la traduction de Encorlet en anglais, mais il faut parler anglais, bien sûr. J'avais raconté la semaine dernière l'importance historique de la traduction de Corlette, justement, de ce jeu. Et enfin, petit switch juste avant d'arriver à l'arbre mana. On déséquipe un objet, voilà, on vire un objet de l'inventaire, c'est important ça par contre. Bon, on en vire plus que un. On vire du coup les objets dont on ne va pas se servir, genre la poudre à canon et choses comme ça. Et tout d'un coup, oh, l'épée mana! Donc évidemment, bon, on se rue dessus. La lumière en haut, il est nul. En ranger, il est nul, mais après en wanderer, il est vraiment imba. Delicate Affection, cette musique, superbe. Seule occurrence dans le jeu d'ailleurs, où on récupère l'épée mana. Ça, c'est la pierre de lumière du coup qu'on n'a pas vu du tout dans le jeu, parce qu'on n'a pas vu le temple de la lumière. Comme on a récupéré Wisp dans la première caverne du jeu. La terre non plus, on l'a pas vu, comme on a récupéré Gnome chez les nains. Mais ouais, Hawk, c'est vers le mal, ou vers le bien, c'est Nightblade ou Wanderer, il est vraiment, vraiment, vraiment très bien, quoi. On rappelle un Hiroki Kikuta à la musique, le même compositeur que pour Secret of Mana. C'est assez marrant le rôle qu'a l'épée mana dans les jeux. Dans le premier Seiken, c'est vraiment l'arme ultime qu'on récupère d'abord pourrie, puis qu'on on va dire sacralise qu'elle devienne l'épée mana. Dans le 2, c'est l'épée qu'on a au fur et à mesure du jeu, qu'on fait évoluer pour qu'elle soit enfin l'épée mana avec l'essor d'Adrian. Et à partir de là, par contre, ça devient vraiment... un élément scénaristique plus qu'autre chose, que même dans Sword of Mana, la réédition du premier jeu Mana, ben, ça devient aussi un élément scénaristique plus qu'autre chose. Couteau suisse de Mana, oui. Et oui, chaque personnage a une animation et il tient une épée. Et c'est la seule fois que vous verrez Hawk tenir une épée. Voilà. C'était court. Dans le Sword of Mana, si, c'est le dernier artefact pour invoquer, enfin pour créer l'arbre mana sur la carte du monde, justement. Et la fée a disparu, hein, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais qu'est-ce que je. Ben, la fée a disparu. Quand soudain. Bonjour, je suis la déesse mana. Rien que ça. Et en gros, elle dit qu'il faut sauver la fée. Et elle nous file un super artefact vachement pratique. Souvenez-vous, dans Secret of Mana, c'était du chocolat. Et bah là, c'est le marteau de Flammy. Je me demande si Carly est ridicule avec l'épée. Bon, ça va, tous les persos. Et donc, on rencontre chacun des méchants du groupe. Donc, on voit le Dark Shine Knight et Corren. Corren s'est fait tuer. Du coup, le Dark Shine Knight dit, ouais, ben voilà, j'ai perdu.
c'était cool. Merci, ciao. Bon, il n'y a pas vraiment de scénario dans Legend of Mana, mais il y a vraiment les trois histoires principales, les Jumi, les dragons et les fées, que je conseille. La série de quêtes des Jumi, c'est pour moi un des moments les plus... avec le plus d'émotions dans un jeu vidéo, sérieusement. La fin particulièrement, c'était... waouh, c'était très beau. Et celle des dragons, elle était tellement badass. Et on rencontre Death Jester, qui dit pareil, le moine masqué s'est fait dégommer. Donc bon, il a perdu. Mais du coup, quel groupe de méchants a bien pu avoir capturé la fée? Je me demande bien, il n'en reste qu'un seul. Normalement, c'est sur ce ponton-là qu'on les rencontre justement, Bigu et Jagan, juste ici, si c'est eux, enfin si c'est pas eux qui ont gagné. Et oh mon dieu! Ils ont la fée, c'est vraiment des méchants. Ils disent, eh bah si vous voulez la fée, venez nous voir à Navarre. Vraiment des méchants. Mais du coup, comme on a le marteau à Flamy, eh bah on va pouvoir se barrer. Donc là, la logique voudrait qu'on aille à Navarre. Sauf que... ça va pas être si simple que ça. On va faire un petit glitch. Est-ce que c'est depuis le début qu'on joue à ce jeu, ce serait peut-être un peu temps de commencer à glitcher un peu. Alors, on va ici dans cette forêt à côté de Jade, de mémoire. Oui, c'est ça. En fait, que la nuit tombe, et en fait, je vous explique, c'est complètement con. Quand on transforme Kevin en loup-garou, il gagne un septième de sa force en plus. Donc là, on voit qu'il commence l'animation, donc il a gagné un septième de sa force. Et si on invoque Flamy, ce un septième de la force devient permanent. Est-ce que vous commencez à comprendre où on va en venir? On va recommencer. Et c'est exponentiel. Faisons de plaisir. Allez hop, une deuxième fois, allons-y. Alors c'est semi-permanent en fait, puisque actuellement Kevin a une force complètement démesurée, enfin qui va devenir petit à petit démesurée. Mais surtout, si le jeu recalcule sa force, et ça il peut le faire en allant dans le menu d'armes, en achetant une arme, des choses comme ça, là par contre ça va la reset. Et ça arrivera d'ailleurs beaucoup plus tard, mais c'est un moment où il n'y en a plus de vent. Mais du coup, pour toute cette séquence du jeu, ben c'est vraiment roulé sur le jeu. Modified, exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a juste le début de l'animation de Kevin qui se transforme en loup-garou, mais ça marche. Et évidemment, c'est comme ça que le speedrun justement se fait du jeu, hein. C'est pour ça qu'on prend Kevin en speedrun également. Outre le fait que ce soit le meilleur perso du jeu, il se trouve qu'en plus, il a un glitch pour le rendre encore plus craqué. Voilà. C'est sympa, hein, comme ça, les jeux qui te filent vraiment tout. Le perso, tu l'as, tu roules sur tout, tu l'as pas, tu peux galérer un peu. Poisse de codage de Zuluva, oui, c'est incroyable, il y a tellement de bugs, de conneries, de... Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je regarde un truc dans ce jeu, je découvre des nouveautés sur les aberrations de programmation du jeu. J'avais dit par exemple la semaine dernière qu'on pouvait pas cumuler les sorts de buff et les trucs élémentaires. Mais en fait, c'est qu'il y a un ordre à respecter, sinon l'un écrase l'autre, précisément. Je pense que là, elle dira, parce qu'il connaît, c'est lui qui m'a dit spécificité, donc... Ah oui, c'est super facile à faire en plus, hein, ce glitch. Vraiment, c'est la nuit, tu te transformes en loup-garou, t'invoques Flamy, point. C'est tout. T'as juste à éviter d'aller dans ton menu, dans les objets d'armes sur le menu de Kevin, ou d'aller parler à un magasin qui les vendrait une arme. Donc ça va, t'as le temps quand même. Et ce qui est ouf, c'est que c'est comme je disais, c'est exponentiel. Parce qu'au début, on augmente de 1 septième, ce qui va faire une force un peu augmentée, puis petit à petit, le 1 septième, il devient de plus en plus gros, donc ça devient de plus en plus balèze. Bon, du coup, voilà, on a considéré que c'est assez fort. Thème de Hawk, génial. Bon, là, du coup, Kevin, bah voilà, hein. Blam blam, voilà, merci, au revoir. Voilà, à partir de là, ça va devenir un peu ridicule, hein. Voilà, les ennemis qui sont tués en une attaque. On voit nos two-shot, bien sûr. On a la salle des trésors à droite, hein, on l'a vu, il y avait une petite ombre en moins dans le mur. Mais bon, on va pas s'emmerder à y aller. Là, le but c'est d'aller à la salle du trône. Il suffit de foncer. Les ninjas sont des bâtards. Puisque eux aussi, ils ont les techniques de Hawk en ninja.
Donc outre les jutsu qui font, enfin qui peuvent faire chier mais que ça va c'est pas le pire. C'est surtout qu'ils ont genre les split size image etc, les techniques multi-cibles de Hawk et ça, ça peut faire vraiment très très mal. Le glitch s'appelle Kakemin, oui évidemment, puisque tu as besoin d'avoir la transformation en loup-garou. Donc Jagan a récupéré l'épée mana, mais il se dit que c'est pas facile en fait, c'est un peu violent l'épée mana. Mais du coup, Bidieu corrompt l'épée. Et tout de suite, ça va mieux. Du coup, ils vont pouvoir aller ressusciter l'arc démon, parce que c'était quand même leur but, hein, initial. Nous, on a sauvé la fée. Du coup, bon, le monde va courir à sa perte, les dieux, les god beasts vont se réveiller, mais on a sauvé la fée. Youhou. Voilà, les pierres se cassent, puisque les dieux en sortent. Alors, ils disent souvent les god beasts dans la version traduite de Corlette. Mais le terme qui est vraiment utilisé en japonais, c'est le même que pour mana beast dans Secret of Mana. Donc on peut vraiment comparer les deux. C'est assez marrant. Mana beast qui est en français le démo mana dans le dernier boss. Espèce de gros flamis blanc. Je crois qu'ils appellent ça le démo mana. Démon mana si vous voulez, mais pas démo mana. Avec 8 caractères, c'est ça? Ça paraît bizarre quand même. Il y a un autre nom dans ce cas, je sais pas. Il reste à battre les 8 God Beasts. A savoir qu'on n'en connaît que 7, puisqu'encore une fois, on ne sait pas où se trouve la pierre de la lune. Il serait bien dommage que la pierre de la lune soit sur notre chemin quand même. Ouh là là! Donc à partir de là, c'est la deuxième séquence où on va où on veut. Là, cette fois-ci, on va vraiment où on veut. On a 7 mana beasts, enfin God Beasts à tuer. Et on les fait dans l'ordre qu'on veut. A savoir quand même qu'ils augmentent de puissance au fur et à mesure qu'on bute les autres. Donc moi je vous déconseille absolument de finir par Dolan, celui de la lumière. Absolument éviter. Parce qu'il peut vous one-shot. Finissez plutôt par Dryad, qui est super facile. Ou un élément, simplement. Un des 4 éléments, simplement. C'est pas très dur. Donc on est parti faire le feu. Des ténèbres. Ah pardon, j'ai dit la lune. Non, oui, c'est Pierre de l'ombre, évidemment, qu'on n'a pas trouvé. Pierre de la lune, on a vu, elle était dans la tour tout à l'heure. La fourche à langue, comme dirait l'autre. Du coup, on rebelote le donjon qu'on avait fait tout à l'heure, où on a chopé 2 fois Salamando. Bah, là, le donjon, il le modifie, hein, bien sûr, pour que ce soit un peu plus intéressant. Et un peu plus endgame aussi. On voit que les stats ont toutes monté, puisqu'en fait, les stats de base d'une classe augmentée, c'était les stats maximales de la classe d'avant. Donc, c'est plutôt sympa. On est parti vers le boss du feu. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a des défenses élémentaires qui sont pas, enfin qui correspondent pas forcément à ce qu'on attend selon les boss. Par exemple, le boss de la terre, il est sensible à la foudre bien sûr, enfin l'élément du vent, mais également au feu. Ok. Il n'y a que la lune qui est insensible à aucun élément. Parce qu'encore une fois, on a des griffes de chaque élément pour mettre un enchantement d'armes. Sur Kevin, de manière générale, bien sûr, c'est un peu évident. Et on a les écailles pour augmenter, notamment écailles de drac, pour augmenter la force. Il n'y a que Kevin qui soit perso glitché. Il n'y a que Kevin avec qui on peut faire ça, ouais. Comme c'est le seul qui a un buff temporaire selon un truc du jeu. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres d'ailleurs qui a un truc intéressant. Alors je sais plus du tout comment s'appelle ce boss, une espèce de grosse tête inflammée. Bon, on va quand même mettre enchantement d'eau, donc Ice Saber, sur Kevin. Voilà, cette espèce de tête en plein milieu, il faut taper dessus, contre votre flamme. Et on voit que la barre de charge a augmenté, parce que maintenant elle est à 7 points. Parce que oui, quand on augmente au-dessus la barre verte, ça devient jaune. Ça, on fait ça 3 fois de plus. Le problème de monter aussi haut, c'est que ça fait une animation. Bon, voilà, le boss est déjà mort, c'est ridicule. Parce qu'il fait même pas 20 secondes. Le problème, c'est que c'est comme une magie, c'est-à-dire que ça va bloquer toute l'action pendant l'animation. Donc on va éviter, on va faire que des attaques de rang 1 avec les attaques en verte. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Lise n'est pas augmentée. Comme ça, elle va pas faire d'attaque de rang 2 et donc bloquer l'animation du jeu.
Parce que le problème de bloquer donc le jeu en faisant une technique, c'est que ça peut aussi permettre à l'ennemi de charger une magie. Chose qu'on va éviter. Du coup, c'est fini, on se barre. Un truc marrant, c'est qu'une fois qu'on a tué le premier God Beast, on a des cousins de Chacha qui apparaissent devant chacun des donjons et qui nous permettent de vendre des objets. Et quand on en a tué 4, ils nous proposent du meilleur matos. Et ça vaut super cher. Donc on va hors Hollande. Parce que la pierre du vent, on l'avait croisée déjà. On sait où elle est, c'est pas très dur. Boss du vent qui est très 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 agaçant parce que ce jeu est mal foutu. Vous allez voir. Voilà, on a les cousins de Chacha qui sont là. Ils nous vendent armes et armures. Mais bon, comme on a le glitch de Kevin, on va éviter. On va se contenter de foncer. Donc là, comme la dernière fois, le couloir du vent, il suffit de tourner les têtes dans le bon sens et d'avancer. Rien de bien compliqué. Les ennemis aussi, hein, vous voyez, ont augmenté de niveau, ils sont niveau 30 là maintenant. Que le jeu soit pas trop bâtard non plus. Et bien cette accélération, on envoie un seul perso faire le mouvement, pareil ici. Et comme ça, le troisième perso peut toucher les zones de chargement. Chose qui aurait été complètement impossible dans Secret of Mana, comme le perso doit rester très très proche. Heureusement ici, ça ne pose aucun problème. Et du coup, la pierre a pété, on va à côté. Toutes les techniques de chaque perso utilisées par des monstres, je crois, oui. En tout cas, je ne vois aucune de tête qui n'est pas utilisée par un monstre. Et le problème, bah, c'est que c'est un boss volant, et donc on va se taper le boss sur l'autre flammy. Encore une fois, observer ce mouvement de... Là, on voit pas l'animation de droite et gauche, mais c'est... Ce mouvement rotatif hypnotisant, je pourrais regarder ça pendant des heures. Donc, combat. Puisqu'il tout va bien, donc on va buffer sort de terre sur Kevin, évidemment, pour qu'il tape beaucoup plus fort, logique. Jusqu'ici, tout est logique, hein, voilà. Sur qui roule encore plus loin, sur la 460, mais c'est ridicule. Et double 700, voilà. Oh là là, le boss est mort très rapidement. Problème, changement de phase, changement d'écran. On voit la vue de côté, on va se taper le boss de côté. Regardez bien un peu l'animation de Flammy en plus. Très sympa, qui cligne des yeux et tout. Problème, et ben il faut se rebuff, parce que ça vire les buffs de sortir de combat, de revenir en combat. Problème aussi, il y a 4 phases. Là, heureusement, les phases, elles sont extrêmement courtes à cause des dégâts de Kevin, mais ouais, c'est ridicule. Par genre, sabre-feuille. Je suis sûr que les derniers chevaliers qu'on rencontre, ils doivent le faire, sabre-feuille. L'animation de Flammy était déjà présente dans ce retard, mais là, c'est pas la même Baldurane, pas du tout. Flammy était là, bien sûr, mais rien à voir avec l'animation rotative, avec sa queue hypnotisante. On voit Hawk qui tape à 1. Merci Hawk. Attends, Hawk il va être un petit peu à la ramasse de vos attaques pendant un long moment. Rebelote. Troisième phase. La mauvaise surprise, c'est que même si on fait trop de dégâts en fait d'un coup et que le jeu n'a pas le temps de charger l'animation suivante, on doit quand même se taper à la quatrième phase pour voir le boss mourir. Parce que oui, c'est possible de faire tellement de dégâts que le boss meurt directement dès une nouvelle phase. Ça arrive plusieurs fois dans le jeu. Et bon, j'ai eu des dégâts. Ah si, il meurt directement dès la troisième. Je pensais qu'il y avait une quatrième, comme quoi. Je dis des bêtises, vous voyez. Pas toujours écouter ce que je dis, hein. Je dis quand même pas mal de conneries aussi. Mais bon, je suis sûr qu'il y aurait quand même la quatrième phase, comme quoi. C'est pas plus mal, hein. Ça économise un chargement, une temps d'attente de plus et tout. Se remettre des MP, mais enfin oui, globalement les ennemis font plus ou moins tout. Il me semble là vraiment que. En tout cas, le truc de. Dryade en plus, il y en a qui part.
beaucoup. Donc voilà, au niveau de la lumière, temple de lumière qui sont des ruines. C'est le dernier que j'ai fait, la première fois que j'ai fait le jeu. J'ai un peu regretté parce que Lightgazer, il a quand même un masse point de vie. Bon, vraiment, encore une fois, avoir je sais pas, le boss de l'eau, le boss de la terre en dernier, voilà, ils sont pas durs. Hein. Et surtout pas Dolan, celui de la lune, vraiment pas. Level up. Oui, tout ça c'est du level up du boss qu'on a tué avant. Et ouais, de tête, je vois pas de... Si, des techniques que je crois pas avoir vu utiliser, ça va être les... par exemple... Rainbow Dust de Angela. J'ai pas vu d'ennemis le faire. Par contre, j'ai vu des ennemis faire Ancients, de mémoire. Je crois que y a un des derniers boss qui utilise Ancients comme attaque. Mais par contre, Rainbow Dust, je vois pas, donc... Pareil pour Double Magic, je suis pas sûr d'avoir vu un ennemi l'utiliser. Récupère une petite griffe au passage, j'ai toujours surpris. Et passage à niveau 4 écrans après, c'est exactement ça. Un jeu qui est pas du tout à la ramasse. Donc, ouais, y a deux espèces de panneaux en fait qu'il faut voir, mais faut d'abord regarder la feuille qui est en bas pour savoir quoi en faire. Voilà, on regarde la feuille, ça me dit un truc, on descend. Dragon fait Ancient, c'est d'accord, c'est bien ça, je me souvenais bien qu'il y avait... Donc voilà, il faut utiliser lumière et ombre, un pour ouvrir un passage, un pour virer l'eau. Ce qui fait qu'il y a des passages avec des canalisations où on peut descendre plus vite. Alors on pourra descendre et aller à des endroits où on pouvait pas aller. Mais Rainbow Dust, oui voilà, je vois pas d'ennemi le faire quoi. Surtout que l'animation est super longue. Là, tu sors les quatre, enfin tu sors Jean, Salamando, Ondine et Gnome, et enfin t'as l'attaque. Elle est tellement longue cette animation. Après c'est bien Rainbow Dust, hein. Elle vaut le coup pour ça au moins déjà. Cette attaque en tout cas. J'utilise que ça d'ailleurs, de toute façon quand tu l'as. Quand t'as une chaîne sur Rainbow Dust, tu utilises que ça. Et du coup, c'est Lightgazer de mémoire de boss. Énorme œil. On buff Kevin. Voilà donc règle universelle, hein. Quand elle parle dans le chat, plus personne ne parle, sachez-le. Coucou Anna. Il a quand même monté les barres pleines. C'est marrant parce qu'il a reset la barre de. Il reset les barres, ça c'est marrant. Mais en switchant en auto qui doit reset les barres. Le boss il meurt tellement vite, c'est une honte. On a fait tellement de dégâts avec Kevin, c'est ridicule. Dans une partie normale, les boss sont un peu plus longs. Tout petit. Bon, ça fait quoi 3. Il en reste 4. Quel est le meilleur ordre théorique pour affronter les God Beasts? Alors, je sais pas trop. On va essayer de commencer du coup par genre lumière. Finir par Dryade, c'est pas mal par exemple. Mais après, les éléments, c'est un peu. Voilà, peu importe. Ouais, peut-être commencer par le vent parce que c'est juste chiant. Mais juste voilà, mon conseil c'est juste de pas finir par ce qu'on va faire là du coup, les lunes. Et les vents sont un peu plus ratants, voilà, je suis d'accord. Ma lumière m'avait fait chier comme dernier la première fois que j'avais fait le jeu, mais ça se fait, hein, c'est juste que c'était long, que c'était un gros sac à PV. Les autres, bah les 4 élémentaires sont pas durs, la terre est vraiment pas difficile. Juste un peu chiant parce qu'elle nous prend en boule et nous envoie, mais ça c'est pas très dur. Celui de l'eau est vraiment pas dur non plus. Donc ouais, non, je vois pas trop. Dryade pour moi ça rend sans doute être le plus simple, en plus tu peux entre guillemets l'infiniser si t'es un deuxième joueur, si tu connais le trick. Les espèces en fait de... Liane qui essaie de nous attaquer, en fait on peut les faire qui suivent notre perso et du coup le boss ne fait plus rien pendant qu'on le bourre. C'est assez rigolo, c'est facile à faire à la manette. Bon du coup,
Ça va être un peu plus long que la dernière fois par contre, parce que là on avait la pierre mana qui était juste au premier étage dès qu'on est arrivé. Maintenant on va devoir grimper en haut de la tour. Vent, lumière, lune en premier et le reste après, ouais voilà. Mais le vent, ouais, parce qu'il est en plusieurs phases, donc c'est ça va vraiment être le celui qui a le plus de points de vie, oui. Du coup, la lune, c'est marrant parce que dans le genre of Mana, dans la tour, justement, c'est exactement les mêmes, voilà, on retrouve les succubes, etc. On trouve des mimiques aussi, comme ennemis. Ceux qui filent la dame en titre, si vous jouez en nouveau futur mode, au niveau 99, enfin... Au 89, vous êtes forcément en nouveau futur mode, mais voilà. Du coup, c'est un peu labyrinthique, c'est même un peu agaçant, je dirais, ce donjon. Je m'y paume à chaque fois. Toi aussi, il fait 10 fois le jeu et te rappelle pas par où il faut passer. La spécialité. Cool, c'est que voilà, toutes les salles n'ont pas des ennemis. Ok, bon, c'est vrai. Le vent a deux fois plus, c'est marrant, ouais. Juste à mon avis, parce qu'ils avaient prévu des scènes où tu le voyais de face, ou enfin de haut ou de côté, à mon avis, c'est juste pour ça. Et du coup, ça te fait deux combats en un, on va dire. Même Zablefar, il a 10K, punaise. Zablefar étant le 8ème. Gold Beast, celui de l'ombre, évidemment, on va le rencontrer, hein, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, le TAS réserve une petite surprise pour ce combat-là, voilà. Les stats variant selon l'ordre, faut comparer au même niveau. Ouais, c'est... Mais voilà, la seule chose à savoir, c'est juste que Dolan ne le fait pas en dernier, parce que son hurlement, bah, ça fait mal. Comme disait l'auteur du TAS, c'est le seul qui mérite le terme God Beast. Par rapport aux autres boss. Évidemment, les loups-garous peuvent faire très 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 mal, comme toujours. Donc, faites gaffe, comme on dit. Je suis étonné que personne dans le chat n'ait fait une seule fois la blague Dolan Please, parce que oui, ça s'appelle pareil, D-O-L-A-N. Goody Please, Dolan Please. Par contre, il ressemble pas trop à un canard, hein, lui. Je pensais que là, c'est l'esprit de la lune, sauf qu'il y a trois lunes à l'ancienne. C'est un peu confus. La chèvre garou. On va bien sûr se faire démolir. Vu les dégâts de l'arrêt qu'il fait. Voilà, c'était long. C'est vraiment n'importe quoi. Le boss qui attend de rien faire, normalement il te baisse tes HP max, il te hurle dessus, ça fait masse dégâts, c'est une saleté, il te fout des tartes comme ça qui font gicler les persos. Non, il se fait démolir sans rien faire. C'est bien les tasses pour ça. Du coup, on va quand même marquer une petite page de pause parce que je voulais la faire avant qu'on tape la lune en fait, j'ai mal compté. Donc ce n'est pas très grave, on se retrouve juste après la pub. Hop, hop.
Ok, on est reparti. Hop là, qu'on mette le jeu. Ce sera mieux. Et c'est reparti. On a pu voir d'ailleurs qu'à l'entrée de la tour, il y avait la tête d'Olan, justement. Ouais, pas loin. Un gnome. Avec un swivel comme musique. On va d'abord. Non, cette musique, vraiment. Sans la BO de manière générale du jeu est tellement bien. Il fallait complètement. Comme pas possible. Un chemin à prendre pour avancer. On croise encore des Sonic. Alors j'aime pas trop le donjon celui-là. Bon, outre le fait que ce soit très linéaire, surtout les ennemis qu'on rencontre. Les Sonic gris là, ici, ils sont très agaçants, ils peuvent baisser la défense en faisant des pics autour d'eux. Ce qui peut être très ennuyant quand on est dans un combat et qu'on se fait ravager du coup par les autres ennemis parce qu'on n'a plus de défense. Mais bon, là évidemment, comme on a Kevin, c'est pas grave. D'ailleurs, on peut faire une animation où il crache du feu, mais bon, c'est pas non plus trop dangereux. Puis bon. C'est pas vrai, je suis pas fatigué. Toujours trouvé dur. Oui, pareil, voilà. C'est pas... Voilà, c'est pas non plus... C'est juste que c'est chiant, quoi, c'est galère. Juste faire gaffe que tu te retrouves, t'es full PV, un écran plus tard, t'as les points de vie en jaune. Pff, ça fait chier, quoi. Et là, c'est clairement pas le meilleur endroit pour farmer, on est d'accord. C'est pour moi, le meilleur endroit pour farmer, ça va être la jungle de Pédane. À côté du Palais Mirage. Et puis le palais Mana, enfin le Mana Holy Land à la fin du jeu. C'est 200 endroits vraiment où je farm à ce moment du jeu. Parce qu'en plus, à côté de Pédane, tu vas récupérer les graines pour changer de classe. Donc ça vaut le coup. Il n'y a plus de gemmes partout, on revient aux vieilles textures. Parce que bon, un peu d'austérité, hein, que diable. On voit que les stats de Lise sont arrivés quasiment au max, il reste plus qu'à monter son intelligence, sa sagesse, sa force et sa chance. Pas très utile. Jeu sympa, il nous file quand même une statue dorée pour récupérer de la vie. Mais non, en général dans les donjons avant la fin. Même dans les derniers donjons, heureusement. C'est sympa pour pas que tu galères trop non plus. Quand soudain, boss. Donc ouais, ce boss, il est sensible au vent, mais il est aussi sensible au feu. Parce que... Du coup, bah voilà, hein. Griffe de feu. Je crois que simplement parce que l'animation est un peu plus rapide. Il n'a pas un ennemi très dur, il peut se protéger avec ses gros points. Mais bon, c'est pas très dur, sinon il prend un perso et le roule en boule et le fait tourner autour de l'écran, ça fait des dégâts. Mais... En plus, il y a deux chemins comme ça, sa manipulation des sites serait vraiment cruelle. Oh oui. Le chat aussi se pose cette question. Voyez, encore une fois, hein, c'est prouvé, elle parle, plus personne ne parle dans le chat. C'est toujours comme ça. Donc ouais, le boss bien sûr s'est fait complètement démolir. Petit moyen de manipuler les seeds avec des sauvegardes, enfin c'est très chiant, faut sauvegarder, faut relancer une partie, enfin relancer une sauvegarde. T'as pas à sauvegarder, donc ouais, tu peux mais c'est chiant quoi.
On va direct à l'eau. Qu'est-ce qu'il nous reste à passer? Il y a Dryade. On a fait feu, on a fait vent, on a fait terre. On est en train de faire eau. On a fait lune. On a fait lumière. Donc il n'y aura plus que Dryade après. C'est marrant qu'ils finissent par Dryade, bon, en même temps sans doute parce que... Alors ouais, alors manipulation des seeds, en gros, la seed ne change pas tant qu'on n'a pas en gros sauvegardé et reset la console. Donc c'est quand même très chiant si tu veux tester un truc et voir si t'as le bon objet. Si t'as pas la seed que tu veux, tu dois reset, enfin non. Ouais, tu dois reset, revenir à la sauvegarde, sauvegarder, reset ta console, recharger ta partie, tester la seed. Si c'est pas bon, reset, recharger ta partie, re-sauvegarder, re-reset ta console, re... Enfin voilà, c'est vraiment très casse... Casse bonbon, comme dirait l'autre. Pour faire les tests. Tout ça pour avoir l'objet que tu veux, si c'est une weapon armor seed. Ou bien sûr l'objet de changement de classe que tu veux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai farm beaucoup de graines inconnues jusqu'à avoir les 6 objets que je voulais et puis voilà. Et ouais, c'est très pénible hein, si tu veux les bons objets. Du coup c'est vrai qu'en tas ce serait vraiment, enfin, à manipuler à la... Faudrait vraiment prévoir à la base de voir quels objets tu pourrais avoir quand tu crées ta sauvegarde, enfin c'est... truc à prévoir des heures avant. Voilà le boss de l'eau. Une espèce de, voilà, de dragon, de dinosaure, on ne sait pas trop. Qui peut aller se planquer sous l'eau. Alors on voit quand le boss sort de, enfin, sort de l'écran, parce qu'il saute, les personnages peuvent ranger les armes. Voilà, comme là, on devrait la ressortir. Ça reset pas les buffs, heureusement. C'est pas comme le boss du vent. Lise, oh mon dieu, elle s'est fait manger, mais c'est pas très grave. Encore une fois, quand un personnage meurt au combat, c'est pas grave, il récupère de l'XP. Sauf dans un combat. J'attends cette animation de mort de boss. C'est très classe. Fantastique, tu exiges de tout avoir sur le first try. Effectivement, oui. Ah oui, il est possible de récupérer tous les objets, oui, bien sûr. Mais il faut juste faire beaucoup d'essais. A savoir que tu peux en avoir que 6, puisque par exemple, si t'es... C'était Ranger avec O qui va te proposer que les objets pour une pointe d'horreur ou je sais pas qu'est-ce que c'est, Master Ranger ou un truc comme ça, une autre évolution. Il va pas te proposer Nightblade et Ninja Master par exemple. Niveau Dryade, les ennemis sont niveau 40, bah oui, elles augmentent petit à petit. Mais ouais, c'est une saloperie, hein. C'est les trucs que tu dois gérer des heures à l'avance, donc tu sais pas forcément si tu vas avoir le bon truc, il faut recommencer depuis le début, si t'avais pas prévu. C'est une catastrophe, hein, les jeux. Bon, là, encore une fois, c'est plus ou moins un labyrinthe, mais pas très compliqué, hein, parce que t'as juste des voies sans issue sur quelques côtés. Ah oui, non, tu peux avoir des doublons, voilà, comme dit LL. Hein. C'est pas juste parce que t'as 6 sites que ça va marcher, malheureusement. On peut te retrouver 6 fois avec le dice, le même dé pour Hulk, par exemple. Ça foutrait un peu les boules, mais c'est possible. Oui, là, effectivement. A savoir que les objets de changement de classe, on peut aussi les utiliser, ça fait généralement des sorts. C'est complètement inutile et ça sert à rien, mais c'est quand même comme ça. Et ça les consomme, bien sûr. Donc, ça serait pas drôle. Que l'écart entre les ennemis et nos persos devient bien plus grand. Il y avait 7 niveaux tout à l'heure d'écart, mais il y en a 14. Mais c'est pas grave. Et voilà. Le boss de Dryade. Pas bien loin. Enfin, surtout qu'il est pas dangereux, quoi. On a récupéré de quoi faire. De la foudre. Et ouais, le boss est sensible à la foudre. Encore une fois, les trucs élémentaires, à part Dolan, hein, encore une fois, qui était le seul à pouvoir. T'as aucune faiblesse élémentaire. Tous les boss, sinon, bah, tu roules dessus. Enfin, c'est n'importe quoi le dégât qu'il fait. Le dégât qu'il fait vraiment à la fin du jeu, normalement. Bon, pas quand t'es une partie de Mario Kart, enfin, heureusement. Mais quand même. Voilà, c'était intéressant.
Ah, il me semble pas, Umaro, justement. Qu'on puisse, on peut pas avoir. Il me semble pas qu'on puisse avoir. Genre, comme on disait tout à l'heure. Si t'as ton Hawker Ranger, tu vas pas avoir l'objet, le dice pour devenir un Nightblade, par exemple. Il me semble pas. Du coup, voilà, on a pété la gueule aux 7 God Beasts. On s'est barré. Pour savoir où on doit aller, on va à la ville de Pedan. La ville de Pedan, c'est une ville en ruine. Sauf que c'est une espèce de jungle mystique assez bizarroïde. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et si on va ici et qu'on dort. En fait, voilà, il suffit juste de faire l'animation, on n'a même pas besoin de dormir. Et pouf, des villageois partout. C'est là qu'on nous vend les dernières armes qu'on peut acheter. Et il y a surtout voilà, ce PNJ qu'il faut parler qui nous dit où se trouve la dernière pierre de l'ombre. Et il dit qu'elle est dans la caverne des ténèbres. Et si on avait. Voilà les derniers objets qu'on a. Et oui, ça va reset le glitch, mais c'est pas grave. Si on avait pris Duran ou Angela, elle serait dans le désert de verre. Et si on avait pris Carly ou Kevin comme personnage principal, elles auraient été dans le palais Mirage qui est juste à côté de là où on était, justement à l'instant. Du coup, Kevin les ténèbres, au nord-est. Et perso, ça a été mon premier gros pic de difficulté la première fois que j'ai fait ce jeu ici. Et voilà, on rééquipe. Augmenter la force. On a plus le glitch, mais c'est pas grave vu la patate qu'on a de toute façon. Voilà. Hein. On va quand même taper tellement fort grâce à la nouvelle arme que c'est pas très grave qu'on ait plus le glitch. On va taper à 400, maintenant on tape à 200. Bon, ça va, ça reste correct hein, encore. C'est Kevin quoi. Je sais pas si Kevin il peut atteindre 25 de force, je pense que oui, logiquement, en Dark Dark il devrait pouvoir atteindre les 25 de force. Je sais que Duran peut les avoir en dueliste, ce qui est pas très intéressant, les duelistes c'est vraiment de la merde. Et mon dieu, la pierre de l'ombre! Avec The Sacrifice Part 1 derrière. Première partie du musique du dernier boss. Non, pas de troisième classe, ce run. Parce qu'on n'arrivera même pas niveau 38. Et voici Zab le phare, le boss de l'ombre. Donc on avait chopé une graine bien particulière, c'était bien sûr de la lumière. Une griffe particulière, c'est griffe de lumière. Pour bourrer fort. On voit Oh qu'il est mignon, il tape à 30. On va avoir un truc spécial hein, dans ce combat, vous êtes prévenus, ça va être drôle. Ce boss est en deux phases en fait, voilà, on a pété la tête de droite, elle est complètement déchirée à l'arrière. Et en fait, à force de taper la tête de gauche, un certain nombre de points de vie. Tête repop. Et surtout, il y en a une troisième. Kill les deux autres. Qui nous fait une vilaine attaque. Bonjour, je crie très fort. Ça c'est inesquivable, on est forcé de se prendre dans la gueule, du coup les persos ont mal. Voilà, on a Hawk qui est mort, il nous reste Liz et Kevin qui sont très bas en vie. C'est dangereux, c'est très dangereux d'être si bas en vie. Il suffirait qu'il y ait une attaque de zone, et on crèverait tout de suite, c'est pas bon. Oh, une attaque de zone. Bon bah voilà, game over. C'est sympa quand même. Et pouf, on est tous morts, 0 point de vie. Oh bah le boss est mort aussi, c'est quand même bien fait. Oh là là, le miracle des tasses. Je m'y attendais pas du tout. Bah évidemment, une sorte de priorité en fait. Les personnages, quand avant de mourir, ils switchent, enfin ils oscillent entre 0 et 1 point de vie. Et en fait, on profite de cette oscillation pour survivre justement pendant cette animation là. Et donc, c'est le seul combat où Hawk ne récupère pas d'XP.
Parce qu'il est mort. Alors que dans tout le reste du jeu, si un personnage est mort, et bien il gagne quand même de l'XP parce que le jeu, il lag juste à mort. C'est rigolo. Bon, on va arriver au combat sur lequel je suis resté une semaine la première fois que j'ai fait ce jeu. Avant de me dire, bon, je vais sortir et je vais farm un peu. Et surtout, je suis passé 3ème classe. Alors, on touche le statut, ça fait qu'il y a de la lumière partout. Il fait enfin moins sombre. Ça fait penser à FF9 et Marine. C'est un peu ça, ouais, Balturan, effectivement. Où tout le monde meurt, fait oh quel dommage. Moi, évidemment, on utilise une Dreamsea Herb pour passer en pleine nuit. Pour que Kevin me tape plus fort, simplement, magnifique. Tout ça, le monde du jeu. On atteint le maximum de force avec Kevin. Qu'on peut commencer à monter sa dex. On va échanger d'armes. Passer à 240. Alors qu'on rencontre Jagan qui descend. Vite, poursuivons-le. Cassons-nous aussi la gueule. Donc voilà, perso, c'est le combat. Je suis mort vraiment pendant une semaine sur ce combat. Surtout à cause du loup-garou qui faisait une série ou Death Fist qui one-shotait tous mes persos. C'était assez ridicule. Voilà, évidemment, on est en tasse avec Kevin Craqué. Enchantement fort, enchantement de feu, oui, parce que bon, visiblement ça marche. Mais là, il y a un flag, ça me fait plaisir. Voilà, la démolition des ennemis qui sont appétits beaucoup trop fort. Jagan, très gentil, tu fais pas l'info. Ça, c'est chiant, c'est sa charme, justement. Genre le gain de niveau en plus. C'est toujours très bon. J'avais une boucle de tronade en tête au moment où Zabelfar est mort. Bon voilà, Jagan qui fait pas long feu bien sûr en tasse. On est obligé de se le taper hein, bien sûr. Comme ça, ça débloque un passage. Une espèce de route de lumière qui s'est formée. Ici on peut rencontrer des ninjas qui sont aussi des saloperies. Parce qu'ils font des split slice image, donc la dernière attaque de Hawk en Nightblade. Qui fait très très mal. Quoi, où t'as le plus de mal, c'est Big Gueux. Ouais, Big Gueux, on va la voir après. Effectivement, elle est retort également. J'aime bien les statues de déesse dorées, mais avec la tête arrachée. Hein. Ça va, c'est bonne ambiance, quoi. En même temps, on est chez les méchants, tu me diras. On croise des démons mineurs, parce que voilà, c'est pas un démon majeur, on les verra plus tard les démons majeurs. Ils sont invoqués par le lapin noir d'ailleurs. Donc ouais, le lapin noir, c'est si on prend le scénario de Duran et Angela, donc l'empereur dragon, le désert de verre, dans un couloir, en fait, il y a un couloir caché vers la gauche, qui nous amène à un combat complètement accessoire, qui est se battre contre un lapin noir qui est niveau 99. Assez rigolo, quoi. C'est un bon challenge. Le problème, bah, c'est qu'il faut faire le scénario de Duran et que bah, l'Empereur Dragon, c'est pas un méchant très sympa, quoi. Enfin, c'est pas un méchant cool, quoi. Il est pas intéressant. Et du coup, après avoir fait la caverne des ténèbres, on n'y est pas encore. J'anticipe un peu trop. D'ailleurs, ouais, j'avais pu découvrir que Big Gueux, en fait, ça se disait bijou. T'es content. The more you know, comme on dit. Donc après la caverne des ténèbres, on a le château des ténèbres. Alors, c'est pas Castlevania, hein, mais ça pourrait. Il tient facilement le lapin noir. Oui, tu as une arnaque pour le one shot, mais c'est pas très drôle. C'est plus rigolo de le faire à la régulière. Je sais plus tout quel groupe j'avais fait pour le faire à la régulière. C'était Durad, Carly et Liz, je pense. Ça devait être Duran en Swordmaster. Parce que bon, Duran, voilà. Swordmaster sinon rien. Sabre lune, bien sûr. Voilà, on a des salles en fait à dégommer pour ouvrir d'autres passages. C'est un peu agaçant comme donjon. Mais d'abord, on a des ennemis à dégommer, parce que voilà, pas très dur ni rien.
Alors la Dex, ça vaut le coup en fait là sur... Donc parce qu'à chaque niveau, il va gagner un nouveau jutsu. Donc il va être une nouvelle technique ninja. L'avantage étant que ces techniques vont baisser les stats de l'adversaire. Une qui va baisser la vitesse, une qui va baisser la magie, une qui va baisser la défense physique et une qui va baisser la force. Mais ça devait être ça, ça devait être Duran en Swan Master, Carly en Grand Prêtre. Puis Liz en Buffer, j'imagine. C'est un truc du genre. Ah oui, je suis monté niveau 99 avec mes groupes, je l'ai fait plusieurs fois, donc... Oh non, Belturana, il est valable dans plein de trucs. Il y a juste Duelist que je trouve pas terrible, donc deux fois vers le mal, parce qu'il a juste Dark Sword qui est pas terrible. En Paladin, il est cool, parce qu'il a Light Saber, toujours très pratique. En Lord, il est pas mal parce qu'il a un heal de groupe, donc ça te fait un bon healer, c'est toujours ça de prix. Et en Swordmaster, bah, il a Moon Saber, donc c'est quand même assez craqué. Mais sinon, non, il est viable dans les deux vers le bien, donc... voilà, on ouvre la porte en bas, évidemment, on utilise la corde pour revenir à l'entrée, ça va plus vite. Lord Machin, ouais, c'est bien, Lord, c'est cool. Ah, il a aussi le Moon Saber, le Lord, ouais, donc il est vraiment très cool, effectivement. Ils sont les mêmes trucs, d'ailleurs. Il est tout doré en Lord, c'est rigolo. Alors qu'en Paladin, il est tout noir, bien sûr. Mais ouais, dueliste, je l'ai fait une fois un dueliste quand même, mais ouais. T'as 25 en force, tu tapes fort, mais bon, t'as Dark Saber, c'est vraiment nul quoi. Aucun intérêt. J'ai même pas sur quoi j'utiliserais Dark Saber comme ennemi. Mais du coup, ouais, Kevin en Dark Light, il doit être très craqué parce qu'il a le Moon Saber. Il doit taper très très fort aussi, par contre, il a pas les sorts de soins. Mais du coup, si t'as pas de healer, si t'as pas genre Carly dans ton groupe et que tu veux un healer plutôt potable, ouais, Duran dans l'ordre, c'est cool. Ça te fait quand même un bon potator, parce que bon, il tape fort quand même Duran, hein. Pas lui retirer ça, quoi. Mais voilà, pour le God Beast de Lumière, mais bon, ça limite, quoi. T'as un boss dans tout le jeu, qui est même pas très très dur, donc... Ouais. J'ai pas trop un Dark Sword. Alors qu'à côté de ça, Light Saber, bah, ça a marché sur la quasi-totalité des derniers boss du jeu. Particulièrement Dark Lich, bien sûr. Et l'Arc Démon. En Protagon, c'est différent, comme il change d'élément avec le au fur et à mesure du combat. Swordmaster, c'est Moon Saber et Leaf Saber. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est vraiment complètement craqué. Mais... En Light Light, oui, il a juste Light Saber. Bon, c'est cool le Light Saber aussi. Hein. Comme Carly, hein. C'est pour Light Light, elle a aussi le Light Saber, c'est cool. Et qui voilà? Eh ben, c'est un vieux copain, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et c'est Metal Hacker. Premier boss du jeu, souvenez-vous. Bon, il est un peu fantomatique, mais c'est le retour de notre crabe de lumière. En Swordmaster, oui, Belduran. Les soirs et les sabres sur tout le monde. En dueliste, c'est possible qu'il puisse faire les 4 élémentaires, mais pas le Dark Saber, ça c'est sûr. Dans son master de mémoire, ouais. Déjà un œil en moins, merci le boss. On a rien fait. Lui, on dirait qu'il prépare une attaque, mais qu'il va jamais la sortir, il n'aura jamais le temps de la sortir. Du coup, ça fait un premier boss démoli dans ce donjon. On va en voir plusieurs. Bon, le recyclage de boss, c'est toujours un grand classique dans les jeux. Je vois pas un peu d'XP ici. Les charges de Kevin qui font tellement mal. Ryoshi Crote.
Le chopage d'XP est toujours moins, même si on atteint la force maximale et la dex maximale avec Kevin. Voilà, on est au point, n'est plus qu'à monter la chance. Sur Liz, la pauvre. Quelle est la chaque stat? Bah, la force augmente tes dégâts physiques. La dex augmente les dégâts des objets de lancer et de certaines techniques, notamment les techniques de ninja et de ranger de Hawk, et augmente aussi légèrement la vitesse à laquelle tu peux taper. Ouh, revue la Genova. L'intelligence va augmenter les dégâts des sorts magiques de manière générale. La piété va augmenter la sort des guérisons, notamment des objets de guérison qui sont affectés par la piété, dans les potes oil. Pas comme les bonbons au chocolat à réussite fixe, bien sûr. Ainsi que des sorts d'invocation aussi pour Carly. Et la chance, ça va augmenter. Je sais que ça augmente déjà les trucs sur les coffres, les pièges des coffres pour que ce soit plus facile. Et il me semble aussi, ça, alors c'est censé augmenter aussi les chances de coups critiques, mais en fait c'est bugué ça. Parce qu'en fait ça marche pas. Et je sais pas, alors c'est. Enfin, pour moi ça a toujours été un peu un ressenti, c'était que ça augmentait aussi les chances de pas crever quand tu te faisais one shot par un ennemi. C'est-à-dire que d'avoir ton oscillation qui fasse 0-1, 0-1, 0-1 qui reste à 1 PV. Mais c'est peut-être qu'une impression ça par contre. Petit fait spam de circonstances pour les coups critiques, oui. Un petit peu. Salut Colette. Oui, alors les coups critiques, on en a vu un au début du jeu, voilà. C'est tout. Et c'était même pas prévu par le runner, c'est un glitch, visiblement. Parce qu'il y a 0% de chance que ça arrive. Voilà, les coups critiques dans Second Fall. Putain, le jeu qui met un temps fou. À se rendre compte que des actions ont été effectuées, c'est quand même dingue. Ce jeu en mousse. Bah, il est génial, hein. C'est vraiment un très bon jeu. Mais bon, faut reconnaître quand même tous les défauts qu'il a. Le lag permanent, les actions qui arrivent pas à s'enchaîner à la bonne vitesse. C'est un peu dommage. Win. Bon, donjon un peu longué, le palais des ténèbres, mais ça va. Ça va être le pire. Ah oui, il est très bien Yoshikrut, hein, c'est vraiment un très bon jeu, mais encore une fois, je l'ai fait un paquet de fois. D'accord, voilà, le premier boss devant. Alors, là, on va récupérer le Jin, pour faire évidemment enchantement de terre sur Kevin. C'est vraiment un très bon jeu, c'est un de mes préférés sur la Super NES, très loin, il y a vraiment des trucs qui vont bien. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des trucs, c'est lamentable. On peut pas l'ignorer complètement. Ce serait un peu hypocrite. Mais voilà, moi j'adore le principe, j'adore le fait d'avoir les jeux qui me proposent de façon déjà de choisir des personnages et d'avoir des choix en plus parmi ces personnages-là dans différentes classes. Donc voilà, c'est mon genre de jeu. J'ai fait FF1, je l'ai fait plus de 15 fois, faut pas s'étonner. Hein. C'est pareil pour Seiken 3 du coup. En plus, t'as des boss différentes fins, enfin voilà, c'est vraiment cool. Plus bon, de manière générale, l'ambiance, le jeu, il est agréable à jouer. T'as musique de Kikuta, enfin voilà, c'est vraiment très cool. La direction artistique est superbe. Non, c'est vraiment un très bon jeu. Là, on a 15 niveaux de différence entre nos persos et ceux qu'on rencontre. Bien problème. Et voilà, même si je l'aime beaucoup, j'ignore pas quand même que bah il y a quand même quelques défauts quoi. Et du coup qui c'est qu'on va rencontrer? Et bah c'est Big You. Mais oui, Isabella comme elle s'appelait au début. Qui va tout d'un coup devenir, voilà, une. Je sais pas trop en fait. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On va aller mettre de la glace sur Kevin. Une espèce de panthère garou. On va dire. Je me rappelle les transformations de. Alors, est-ce que c'est Sou ou est-ce que c'est Misery à la fin de Cave Story? Quand c'est que le combat contre le Undead Core dans Cave Story, il y a un des deux PNJ, justement, je sais plus si c'est Misery ou Sou, qui est transformé dans un monstre un peu similaire. Je crois que c'est Misery. Transformé dans un monstre un peu similaire, c'est un peu étonnant. Finalement, t'auras pas tes Godly? Oh, dommage. Dommage, dommage. Darkstalkers. Oui, c'est un peu ça, Baldurham, effectivement. Darkstalkers qui ressemble un peu à ça. Des pattes de chat. L'explosion, c'est le plus important de ce jeu idéal. Moi, j'aime beaucoup celle qu'on a eu juste avant du boss devant avec la corolle. Vraiment très cool, mais des fois, c'est juste une explosion très pixelisée, très moche. Voilà, ça dépend.
Ou juste 3 pixels qui se battent en duel comme dans Secret of Mana. Donc voilà, on a battu Bigieux, Bijou, Bigieux, vous l'appelez comme vous voulez. Les gros yeux, comme on dit, pour rigoler avec les copains. Mais c'est pas fini, parce que malheureusement, l'arc des bons a été invoqué. On se barre en vitesse de cette tour, qui est en train de s'effondrer. Et on se barre! Parce que du coup, on a quand même une porte qui s'est ouverte pour nous, auquel on ne pouvait pas accéder avant, pour aller à la fin du donjon. T'as trouvé 80 millions sur un perso donc. L'effet miroir sur le sol intérieur sprite. Ouais, j'aime beaucoup dans ce donjon. Quand on est à l'intérieur, l'effet miroir, c'est cool. C'est le genre de petits détails agréables, quoi. C'est comme la queue de Flamie. C'est, voilà. Les petits plus qui font plaisir. Je crois que c'est volontaire, vraiment, le fait que ça clignote. Hein, on peut faire un effet de style, que ça fasse un peu lumineux, ce que tu vois. Quand soudain... L'arc démon, enfin, on le rencontre. Et donc, il a Elliot, qui est le frère de Lise à côté de lui, parce que c'est le... Ça va être son nouvel hôte. Il a l'épée mana. Donc bah, il a un peu gagné, là. Je peux dire. Combien a-t-il de PV au maximum? 999, je crois, de mémoire. Ils atteignent pas tous 999, mais Kevin, je crois que quel que soit sa transformation, il est à 999. Du coup, voilà. Et il a détruit l'épée mana. C'est quand même pas très cool. Jamais si le gueule parce que pour l'incompétence c'est ce que j'aime bien les trucs comme ça où tu sais pas si c'est volontaire artistique ou juste un turnaround dégueulasse pour éviter un glitch dans les jeux. Bah, des fois c'est volontaire. Exemple le plus connu on va dire Silent Hill avec la brume etc. C'est juste pour qu'on voit pas le clipping dégueulasse. Mais du coup ça fait un effet de style, ça joue sur l'ambiance. C'est une bonne idée hein. Du coup on retourne au Paymana qui est tout à coup un peu plus rouge, un peu plus sale. Et c'est le dernier donjon? Eh oui! Alors le jeu est pas très vache parce que le dernier donjon il est plutôt court et il est cool et il est pas très dur. Donc c'est idéal pour farm ici par contre. Alors ces ennemis là en fait ils se transforment en d'autres monstres. C'était des mobs qui étaient invoqués par Genova quand on l'a rencontré, deux fois déjà. Et ils se transforment en fait en d'autres monstres du jeu. Ils ont toujours une palette bleue, c'est rigolo, c'est assez mignon. Au souvenir, il était passé par le pont l'autre fois pour avancer, mais sauf que là, la route a changé dans ce donjon. Donc perso j'en ai tué des tas pour monter niveau 99 avec plusieurs sauvegardes. Et oui, il y en a des noirs qui ont un autre nom. Pour ceux qui s'en souviennent, dans Seiken 1, dans la caverne de Méduse, on en rencontre de ces mobs là, mais qui se transforment pas, mais qui font juste super mal et il faut les tuer avec du feu idéalement. En fait c'est bien ces monstres là. Ils sont juste un peu plus gros parce que bah... C'est Seiken 1, les sprites ils sont tous à peu près la même taille. Donc on retourne à la statue de la déesse. Comme on a détruit les pierres de mana, bah y a plus que la statue où on peut changer de classe. Normalement niveau 38, bah, on a déjà détruit toutes les pierres, hein, bien sûr. L'écran obligé de tuer tous les adversaires pour avancer. C'était les écrans où j'ai farm ici, hein, donc entre la déesse et puis le dernier écran du jeu, c'est là que je farmais. Dieu sait que je les ai vus, ceux-ci. Monte sur les nénuphars. Va à gauche. Il va bientôt être arrivé. Métamorphe de Hawks, Pity Mage. C'est sale. Et enfin, c'est la fin. Mon dieu, l'arbre mana a été détruit! Voici The Sacrifice Part 1 comme musique. On a entendu très brièvement tout à l'heure. La fée se fait défoncer par l'arc démon. Et moi, il va nous casser la gueule, bien sûr.
Voilà, un peu plus de gueule pour un dernier boss. Ça commençait par nous péter la gueule. Et attention, des grosses sprites carrées. Alors, grosses sprites carrées. En gros, on a un grand speech de la fée qui nous fait que « Mais non, l'épée mana n'est pas morte, elle est dans vos cœurs et tout !» Et du coup... Bah baston ! Musique The Sacrifice Part 2. On va baisser la défense du boss avec le truc de lune qu'on a récupéré il y a une éternité. Non, on a baissé ses points de vie max, pardon. On augmente la force de Kevin et de Hawk. On utilise un Earth Jutsu avec Kevin pour baisser la défense physique du boss. Non, Thunder Jutsu, pardon. Et maintenant, on va casser sa gueule. C'est suffisant, je crois. Oui, je crois. C'est que c'est l'arbre, le boss, l'arbre mort. Ils sont tués. Oui, je suis bien d'accord. Voilà, encore une fois, regardez bien les le level qui change parfois en AT, c'est le passage automatique pour refresh entre guillemets la barre d'ATB. Le boss qui fait rien, qui se laisse démolir. C'est sympa, hein, l'arc démon. Regardez bien, parce que ça va être très rigolo. Le film est fini. Voilà. C'est intéressant, hein. Comment ça, le boss est pas mort? Comment ça, il a encore une phase arrière? Waouh, vous en faites pour rien. Parce que oui, le boss a une seconde phase. Et maintenant, musique du charisme absolu, Sacrifice Part 3. Alors que le tas est terminé et que le jeu joue tout seul. Et comme vous pouvez voir, on contrôle Liz. Comme ça, c'est bien l'IA qui va taper avec OK Kevin et donc continuer à faire les attaques. Sauf qu'on lui a tellement bourré dans la première phase du jeu, bah que le boss il va se faire démolir en deux temps trois moments et qu'il va même pas, il va à peine avoir le temps d'avoir cette musique. C'est vraiment dommage. Alors, j'adore les tasses qui font ça, qui finissent le jeu, qui finissent les tasses avant que le jeu soit fini. Et c'est fini. Là, les boss est mort. Dans les trucs très rigolos du genre, il y avait un tasse de Bomberman qui me fait lancer juste une partie contre l'IA. Et le tas commençait quand la partie commençait. Le personnage ne jouait pas, c'était les l'IA qui se suicidaient avec les trois autres personnes. C'est très... Ah, c'est la première fois qu'il voit ça. C'est un grand classique, hein, on a dans plein de jeux. Le plus meilleur exemple que j'ai déjà montré, c'est dans Donkey Kong Country, où le dernier coup n'est pas fait par le perso, mais c'est quand tu te fais toucher la dernière fois que King Carol il arrive, il te touche, ça te fait sauter ton personnage et ça fait taper une dernière fois le dernier boss. En général, les tas finissent comme ça, en avance comme ça. C'est rigolo. Et du coup, on a pété la gueule à l'arc démon, qui était le boss le plus dur, mais bon. Mais j'adore ce genre de fin, voilà, un peu, qui retourne un peu la situation. Bon, je vais zapper quand même une partie de la fin pour qu'on ait un boom, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Mais voilà, donc la fée, un peu, dit que voilà, bon, on est trop fort, on aura pété la gueule. Ouais. On va faire un tas de SimCity. Oui, voilà, c'est un peu ça, Julie, t'as raison. Le tas de SimCity, c'est un peu le même principe. Pas autant que là, ouais, oui, pas autant que là. Ben, il y en avait un, c'était ben, encore une fois le coup de Bomberman, c'était pas mal. Il y avait une espèce de clone de Tetris sur Mega Drive aussi, c'était pareil. Où il finissait le jeu, il lâchait la mallette en fait, et tout à la fin, c'était l'IA qui faisait n'importe quoi de l'autre côté et qui se suicidait. C'était assez rigolo. Bon, voilà, en gros, il dit que Elliot est sauf, heureusement, bien sûr. Mais surtout que ça va, c'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir s'occuper du pays mana. Et donc dans le premier Seiken Setsu, on avait la fille du coup de entre guillemets l'arbre qui devenait le nouvel arbre. Dans Lord of Mana, j'aime bien le twist justement avec les Sproutlings.
Bon, je vais quand même zapper quelques séquences pour qu'on ait les sympas, les plus sympas. Parce que la fin est très longue. Et qu'il est déjà 21h53. Quand même. Et oui, donc le mana est sauf. Oui, parce que la fée devient la nouvelle déesse. Et oui. Donc on a quand même bien fait de la sauver, hein, tous ces X moments du jeu où il fallait la chercher et tout. Parce que bon, si on l'avait pas sauvé, bah bon, voilà. Le sur Game Boy, oui, Baldurade, le premier. C'est pas combien de temps j'ai passé dessus, moi non plus. J'ai fini beaucoup de fois. Pareil, tu peux choisir les stats, tu peux faire le jeu de X façons différentes, puis en plus t'as plein d'armes avec des gameplays différents, enfin c'est un bonheur le premier Seiken. Connais ça sur Love Mana, c'est tellement une déception. Bonsoir Zezenios, tu arrives à la fin du jeu, littéralement. Donc voilà, rentrez chez vous, machin, le truc. Alors on va juste accélérer un petit peu, juste vous préciser un truc assez rigolo. C'est la musique qui va suivre, c'est la seule occurrence du jeu où on l'a et on l'a même pas complètement, celle-ci. Et en plus elle est cool quoi. Voilà, c'est le retour chez soi. Ok, bon, je les ai déjà 55. Ouais, d'accord. Et du coup, on a tous les personnages qui rentrent chez eux, ils sont contents, Elliot est sauf, elle va pas reconstruire son royaume, machin, lui retourne chez lui, il fait la paix avec son père, gnagnagnagna, voilà, tout va bien. Ok, rentre chez lui, Isabella va bien, Flimkan, on se rend compte que c'est bon de faire manipuler, etc. Et on a la fin, etc. machin. La musique est super cool, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas. Hein. Faut que vous finissiez le jeu, je vois que ça. Alors qu'on finit sur le thème de mana. Même thème que de fin que Sword of Mana. Du coup, bah, ça va être la fin de l'émission. Je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine car je ne serai pas chez moi. Je serai en vacances, donc il n'y aura pas d'Invino Veritas la semaine prochaine. Ce sera dans 2 semaines, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Peut-être sur... je vais peut-être faire un épisode sur Konami pour vous montrer des jeux pas connus du tout. Peut-être vous refaire un jeu sur des perles d'une autre console, de la Mega Drive je pense, parce qu'il y en a plein à présenter. Ou je commence directement une nouvelle série, parce que du coup ça achève la série Mana, parce qu'il n'y a pas de Taz de Legend of Mana, il n'y a pas de Taz de Sword of Mana, il n'y a pas de Taz de Dawn of Mana et c'est pas plus mal, il n'y a pas de Taz de Heroes of Mana et c'est pas plus mal, et il n'y a pas de Taz de Children of Mana et ça aussi c'est pas plus mal. Du coup voilà. Ton ralentissement prend le jeu pour générique en accéléré. C'est exactement ça. Merci Julie. Donc à dans 2 semaines, je sais pas encore ce qu'on verra, ce qu'on fera à ce moment-là. Et après moi c'est Colette. Pour, je sais plus, je crois que c'est du commentaire sur de Alice Madness Returns. De toute façon, restez, vous verrez bien avec Colette. Moi, je vous dis donc à dans 2 semaines. Bye bye! Thank you.